Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore une fois pour une petite vidéo où je suis partie en vadrouille. Comme vous avez pu voir dans l'intro, je suis partie voir Kenza le temps d'un week-end à Lyon. Donc Kenza que vous avez pu voir dans les épisodes d'Objectif Intérêt et que vous connaissez sûrement très bien grâce à ces vidéos. On vous emmène avec nous faire une petite journée à Lyon, donc que vous ne connaissiez ou pas. J'espère que cette vidéo vous plaira. À Lyon. Oui. Et toi, es-tu contente d'être ici? Oui. Très bien, on est content. Allez, suivant. Ici, nous avons le cube de l'hôtel de ville ou le devant. Je sais pas. Et juste en face, nous avons l'opéra. Elle est trop mignonne, on dirait j'emmène ma fille en balade. Donc t'animes la vidéo hein? C'est toi qui fais tout ce week-end. Je suis déjà allée boire un verre. C'est sympa. Avec mes collègues. Et là, on s'apprête à rentrer dans un endroit super beau. Ok. Allons. C'est beau. Ah oui, c'est beau. Ici, nous sommes sur la place Bellecour, grande place mythique de Lyon, une des plus grandes places d'Europe. C'est doux. C'était mieux à Interrail. Je m'étais renseignée sur le sujet. Ouais, en Interrail, t'étais plus investie. Bah là, en fait, c'est parce que je connais pas encore bien la ville. Alors, aujourd'hui, nous sommes à Lyon. Et nous avons fait une petite visite à l'Aura. Je suis la guide officielle de Lyon, la plus bancale. Voilà. Moi, je ne parle pas. Je ne parle pas dans cette vidéo. C'est que moi qui présente. Du coup, voilà. Donc, ce matin, on s'est levé. On a été à Fourvière, qui est juste là, pour voir la belle vue de Lyon et la basilique aussi, qui est hyper jolie de l'intérieur. On a fait ça. On est redescendu dans le vieux Lyon. On s'est baladé. C'était sympa. On a acheté des bougies. Montre-les. Unboxing. C'est des bougies coco. Non. Pêche coco. Ça n'a rien à voir. C'est pas du tout poudré. Pêche coco. Je sais pas ce que j'ai acheté. Voilà, on est redescendu. On est allé place des terreaux. On a vu l'hôtel de ville, l'opéra. On est redescendu gentiment pour aller manger au burger de papa. C'était très bon. Et il y a la grande roue là qu'on va pas faire. Parce que c'est 12 balles. Voilà. Je vais admirer mon beau make-up. C'est ma vidéo, on respecte pas. T'as déjà vu la fille qui disait elle rote devant mes abonnés. Elle rote devant vous. Devant mes fans. Elle me pousse devant mes abonnés. Du coup, on a vu la basilique de la Fourvière. Après, on a vu quoi? C'est pas ça. C'est que ça s'appelle comment? Notre-Dame de Fourvière, je crois. Ah, mais tu m'as dit que c'était une basilique. Bah, c'est une basilique de Fourvière, pas de la Fourvière. Oh, ça va, je pensais que j'ai dit n'importe quoi. Ah non, non, tu étais, mais c'est pas bon. Quoi. Après, on est allé dans le vieux Lyon, on n'a pas trouvé de train de boule. Ouais. Mais t'es pas renseigné dessus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? C'est une bonne question. Il est quelle heure? Je regarderais bien avec le soleil, mais il n'est pas présent aujourd'hui. 14h41. Ah, moi j'avais dit, il serait 17h qu'on aurait tout fini de faire. J'ai enlevé ma notif. Tinder. Voici l'entrée du parc de la Tête d'Or. On va aller au zoo. Il nous arrive un truc, je pensais pas que ça m'arriverait un jour. À la place Bellecour,
Il y a quelqu'un qui nous a accosté quand on venait de finir de filmer ce qu'on avait filmé en plus. Et le mec nous a demandé s'il pouvait faire un micro-trottoir. Sur le coup, on s'est dit ouais, enfin, on savait pas trop les questions. Et en fait, c'était un TikTok pour noter nos. Enfin, note ses disquettes ouais. En fait. Il nous a sorti 3-4 disquettes. Et fallait qu'on les note. Qu'on les note sur disquettes. C'était les pires disquettes de la planète. Bah, j'ai fait reçu exprès. Des non, moi j'ai reçu pire. Moi, un jour, on m'a dit ah, t'es ouais. Belle comme un kebab. T'es sûr que c'est vrai. Un kebab. Ah non. C'est horrible. Je te jure que c'est vrai. T'es sûrement pas infirmière, mais tu m'as piqué. Ah, pas mal. Dommage, il était moche, sinon j'aurais répondu. Ah. Bah. Ouais, cette disquette, je vais à tous les hommes célibataires intéressés. Vous savez quoi faire. Voilà, et si on trouve le TikTok entre temps, peut-être qu'on vous le partagera. On mettra en lien dans le premier commentaire. Ouais, bon, on verra. Les quatre s'appellent Sophie. C'est vrai? C'est toi qui les as appelés? Non, non, c'est écrit sur le profil là-bas. On verra. Ouais, c'est sûr que c'est faux. Ah, un animal c'est sauvage. Tellement. Je suis en immersion dans la forêt amazonienne. Le vlog a mal tourné. C'est chaud, vous savez que le masque est obligatoire dans la forêt amazonienne. Maintenant vous le savez. On va essayer de trouver notre prochaine destination. J'ai pas dit stop. Ah, refais, on est dans la mer. 1, 2, 3, stop. C'est où? Non, c'est la guerre, c'est la guerre. Non. 2, 3, stop. C'est un effort. En Chine. Ah, c'est peut-être pas le moment non plus. Allez. Ah, fais une dernière. 1, 2, 3, stop. C'est où? Philippines. Ah, on va aux Philippines. J'ai un peu triché. C'est pas grave. Ah, la queue. Putain, je me prends des feuilles. Kenza réagit. C'est la merde. Ah, c'est la merde. Ah oui, c'est la merde. La fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est vrai que le dimanche, on n'a pas trop filmé, on s'est levé pas trop tard, on a été brunché. Et ensuite, j'ai déjà dû prendre mon train pour rentrer à Lille. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas surtout à commenter. Peut-être que vous venez de Lyon et vous avez reconnu des endroits. N'hésitez pas non plus à mettre un pouce en l'air et à partager si vous avez aimé cette vidéo. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner, ça me ferait vraiment plaisir et ça soutiendrait ma chaîne. Donc on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !